Bonjour les gars, c'est comment? Ça va? Ils pensent que les Congolais ils sont en train de demander l'aide de Camille Makusu pour intervenir dans l'affaire à Coco et puis Fally Ipupa. Voyez là, pourquoi il dit ça? J'ai vu une vidéo de Camille Makusu. Bon, d'abord, je vous laisse regarder la vidéo d'abord et puis on revient. Regardez. Maintenant, vous qui m'amenez des messages concernant Fally Ipupa là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh non, général, il paraît que Fally a des enfants là-bas. Hey! Je suis concentré actuellement sur mon gibier. J'ai attrapé mon affaire. Je ne laisse pas mon affaire. Je ne laisse pas l'affaire. Ne venez pas me distraire. Oh non, général, il y a une maman là qui dit elle est la maman de tel footballeur. Gérez ça. On appelle ça les dossiers mineurs. Qu'au nom en 2000, j'étais Fally Ipupa. Vous n'avez pas honte. Moi, dans la ville, la honte doit m'amener à me cacher souvent. La honte doit m'amener à me cacher. Moi, les femmes qui n'ont pas honte, ils ne peuvent pas venir parler dans les dossiers. Et ça fait devenir un dossier d'État entre les Togolais et les Congolais. Vous n'avez rien d'autre à faire. Hein? La pauvreté vous a pas encore fatigué. Restez dans les dossiers des chiffonniers. Fally Ipupa, l'argent qu'il a là, ça peut nourrir ton village, ton grand-père, ta grand-mère, on les associe dedans. Un contrat de Fally, venir chanter seulement minimum, c'est autour de 200 millions. Toi, tu n'as pas pitié dans ta vie. Quelqu'un, son programme est bouclé jusqu'en 2030. Quand son programme est bouclé jusqu'en 2030, toi tu es venu parler de cet homme-là. Mais tu es un maudit, faut te rallier. Mettez les cœurs, partagez le live, je donne une minute. En gros, quand on analyse bien là, quand on analyse bien les propos de Makusu dans cette vidéo, on va rapidement comprendre, on va rapidement tirer la conclusion de Yali, la proposition des Congolais. Mais par après, il a fait une vidéo. Apparemment, tellement que les gens l'ont fatigué, les Congolais lui ont fatigué là. Il a décidé de mettre sa bouche dedans maintenant. Donc, il nous donne rendez-vous le mercredi. En tout cas, le goût au ciel là, il y a Odako qui est là. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. C'est Camille Makusu qui a monté dans les lives de Odako ou bien c'est comment? Moi, il me pose beaucoup de questions. Si ces dames, je vous laisse regarder la vidéo hein, du rendez-vous de Camille Makusu, écoutez. L'histoire de Fally Ipupa est compliquée, vraiment. Je reçois des messages de certains Togolais qui me disent « Oui, Makusu, comme tu ne soutiens pas notre soeur, on t'attend au Togo. Vous aussi. » En fait, vous n'avez pas encore compris la vie. La vie. Vous ne l'avez pas encore compris. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes des enfants. Vous avez 30 ans, 25 ans. Donc vous croyez que vous avez encore une longue vie. La vie dans laquelle nous sommes, vous n'avez pas encore compris ça. Quand vous allez vous asseoir, vous allez comprendre que la vie est dure. Tu ne vas pas concentrer ton énergie à la vie de quelqu'un d'autre. Cette femme-là, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas ton parent. Elle dit, celui qui accuse est celui qui envoie les preuves. Jusqu'à actuellement, on n'a que dit, il paraît, j'ai dit que, comme vous me parlez, je vous informe officiellement, mercredi à 20h, j'ouvre une enquête. Je suis le plus grand enquêteur des réseaux sociaux. Je suis celui qui fait sortir toujours les peu factuels. Maintenant, les histoires de dire non, Makusu, comme tu ne soutiens pas notre soeur, tu n'es pas le bienvenu au Togo, et champion, c'est ça. Étant au Togo, j'ai confirmé. Dans un mois, je retourne encore au Togo. Quand j'arrive au Togo, je parle avec les entités du Togo. Quand j'ai dit entité, là, vous savez de quoi je parle. Je ne parle pas aux enfants. Je ne viens pas faire les débats de chiffonnier, les débats de gaminerie. Et il n'y a pas l'homme, ni au Togo, qui peut venir à l'aéroport pour dire, Makusu, toi, tu ne sors pas de l'aéroport. Toi-même, dis ça, on va t'envoyer. Et ceux qui attendent Makusu au Togo, là, ce ne sont pas tes camarades. Donc, calmez-vous. Ce dossier-là, on appelle ça les dossiers de cour commune. On appelle ça béret de cour commune. Il y a une femme qui dit que Fally est le père de ses enfants. Pourquoi Fally dit qu'il ne fait pas l'été? Il paraît qu'elle avait sorti les photos. On appelle ça les bérets de pauvres. C'est les pauvres en temps normal qui s'assèrent. Mais comme ça devient récurrent et qu'on me tague, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui me taguent, qui m'envoient les messages. Général, tu dis rien. Il y a notre soeur. Général, les Congolais ne disent rien. Mais autre, moi, si ce sont mon goût, je n'étais pas là-bas. Si ce sont la paix, je n'étais pas là-bas. Mais l'enquête que je viens d'ouvrir, là, Fally, il faut te préparer. Voilà. Et là, je ne porte pas ma casquette de dire
je suis le père spirituel de Wagner. Je ne suis pas père spirituel de quelqu'un dans cette affaire. Parce qu'il s'agit d'une femme qui dit qu'elle a eu deux enfants avec quelqu'un. Donc c'est un dossier délicat. Il faut savoir regarder les choses. La femme dit elle veut faire un test ADN. Fanny dit je porte plainte. Donc, Marcos, le général, toi tu es le plus grand influenceur africain. Qu'est-ce que tu dis? Congolais, béninois, togolais, ivoirien, camerounais, gabonais, guinéen, malien, burkinabé, centrafricain, tchadien. S'il vous plaît, préparez-vous. Le mercredi à 20h GMT, 22h heure de Paris, aux âmes sensibles, veuillez quitter là. Dites à la dame, qu'elle est mon invité spécial, j'ai trois questions à lui poser. Dites à Fali qu'il est mon invité spécial, j'ai trois questions à lui poser. Les deux vont monter dans mon live. Et je vais régler ce problème devant le monde entier. Je suis Camille Makosso, le procureur juge des cas impossibles. Je n'ai jamais tapé poteau sur n'importe quel dossier. Donc préparez-vous. Ça va péter. À bon entendeur, salut. Les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo de Camille Makosso. Camille Makosso va mettre sa bouche dans cette affaire maintenant. Maintenant, lui-même, il va s'imbiber dedans maintenant. Parce qu'il a décidé, corps et âme, il va s'imbiber dedans. Pardonnez. Ceux qui soutiennent à Coco là. Voilà. Allez là, même, il y a Discord. Il y a Sauveur de la Nation aussi qui ne comprend pas, qui a pris d'autres positions. Sauveur de la Nation même qui était devant là. Maintenant là, lui là, il est dedans. Il ne sait pas si c'est un pied dedans ou bien un pied dehors. Ou bien il a enlevé ses deux pieds même. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand les gens font le live, là, lui aussi, il faisait un live, mais il faisait un live, le contraire de ce que les Akogo et puis trucs là disent. Bon, les gars, moi personnellement, le direct d'hier que Akogo et puis ses enfants ont fait là, moi j'ai eu à comprendre quelque chose dedans. Oui. Il y a Rouen et moi aussi qui a fait une vidéo pour parler de quelque chose. Donc, il a comparé la sortie de Rouanima à ce que bah, Rouanima lui-même il a déjà fait la vidéo là, ça fait deux jours. Il a comparé les vidéos, hein, il a comparé les deux vidéos, c'est la sortie de Akogo et puis ces enfants là, il a comparé à celle de Rouanima là. Franchement, si c'est Bezo ou bien si c'est bah, cette affaire même là, ça me ressemble une affaire. Est-ce que vous vous rappelez de histoire de quelqu'un qui a été ressuscité? Bon, ne vous inquiétez pas, ça là, on va pas trop parler. Hier, il fait une autre vidéo tout à l'heure. Hier, il fait une autre vidéo. Donc, restez branchés. Histoire de Akoko maintenant là, parce que tout le monde commence à s'indigner dedans là. C'est pas bon. Donc, les gars, restez branchés. Le canal va faire une deuxième vidéo pour vous éclairer la lanterne. Et puis, vous aussi là, vous allez dire en commentaire ce que vous en pensez. Si celui qui m'a, celui qui dit la vérité, on est là, on regarde. On va voir comment ce qu'il a fait si bah c'est terminé. Et puis là, depuis la fallu aussi, là, lui, il parle dans sa langue là-bas. On ne sait pas comment ce que ça s'est passé. Nous, on est là. On va voir la vérité. La vérité là, ça, c'est savoir. Tellement qu'il y a des gens, là, il y a des grands influenceurs qui mettent leur bout dedans comme les Makosso là. On verra comment est-ce que ça s'est terminé. Si c'est, je vous laisse rester branchés. On est ensemble.